Aujourd'hui, on parle de la santé mentale. Alors, on va regarder ensemble de quoi il s'agit, la santé mentale, puis aussi comment s'y prendre pour avoir une bonne santé mentale. Alors, c'est ça qu'on va regarder ensemble ce matin. Je vais essayer mon petit cliqueur. Comme ça, je vais voir si que ça fonctionne. Oh. OK. Bon, mon petit cliqueur décide de ne pas fonctionner ce matin. Bon, alors l'association, elle a été fondée en 1918, donc on est quand même depuis plusieurs années en fonction, et on a fêté la semaine passée ou la semaine d'avant, ça va tellement vite, notre 69e Semaine nationale de la santé mentale. Alors on est un organisme caritatif national qui aide à préserver puis à améliorer la santé mentale de tous les Canadiens. Puis ce qu'on aide aussi, c'est de faciliter l'accès aux ressources communautaires dont les gens ont besoin pour renforcer leur résilience puis appuyer leur rétablissement suite à un problème de santé mentale. Alors, juste pour vous dire qu'à peu près que l'association a servi l'année passée plus de 75 000 personnes. L'association, on est située à 18 régions à travers le Nouveau-Brunswick. Donc, on a un bureau à Fredericton, Moncton et Saint-Jean. Puis, on a le programme des coordonnateurs, coordonnatrices en éducation communautaire, en santé mentale à travers la province. Donc, on est 11 coordonnateurs, coordonnatrices comme moi, moi, je couvre la région de la péninsule acadienne, mais on couvre quand même toutes les régions du Nouveau-Brunswick. L'association aussi a également des programmes provinciaux de soutien par les pairs, ce qu'on appelle communément les pairs aidants, qui sont rattachés à tous les services de santé mentale de vos régions. Puis on a le programme d'emploi Working Stronger Together, Travailler ensemble pour la santé mentale, qui aide les gens à réintégrer le marché du travail. Puis par cette même occasion-là, ben, on aide beaucoup à améliorer la santé mentale de ces personnes-là. On aide aussi à améliorer leur santé physique, puis aussi à réduire l'hospitalisation. Et on offre un meilleur bien-être à ces personnes-là au niveau financier. Puis ça leur permet aussi d'intégrer la communauté, alors qui est une chose très importante. Alors, qu'est-ce que la santé mentale? Alors, c'est beaucoup plus que l'absence de maladie mentale. Selon l'Organisation mondiale de la santé, ça définit un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son plein potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie. La santé mentale fait partie intégrante de la santé. En effet, il n'y a pas de santé mentale, il n'y a pas de santé physique sans la santé mentale et l'inverse également. Ça va de soi, c'est vraiment important qu'on ait les deux. Alors, la santé mentale, la santé comprend la santé mentale et physique. La santé mentale est déterminée par une série de facteurs socio-économiques, biologiques et environnementaux. Il est essentiel de protéger, puis de rétablir, puis de promouvoir la bonne santé mentale, le mieux-être, car ils sont étroitement reliés. Puis en tant qu'être humain, ressentir des émotions, interagir avec les autres et gagner sa vie afin d'en profiter pleinement, c'est ça la santé mentale. Le niveau de santé mentale d'un individu peut être influencé par des facteurs sociaux, psychologiques, biologiques à tout moment de notre vie. Alors au niveau social, c'est sûr que on a des conditions de travail qui sont stressantes. Mais ça peut affecter notre santé mentale. La discrimination fondée sur le sexe, alors si on est une femme, un homme, l'exclusion sociale, le mode de vie malsain, risque de violence, mauvaise santé physique, puis les violations des droits de l'homme peuvent avoir un impact direct sur notre santé mentale. Physiologique, ben, les facteurs psychologiques, physiologiques et de personnalité spécifiques qui rendraient les gens plus vulnérables aux troubles mentaux. Alors, au niveau psychologique, il peut avoir des incidents qui peuvent vulnérabiliser la personne en matière de santé mentale. Biologiquement, ben, les facteurs génétiques, c'est une importance vitale parce que ça pourrait créer un déséquilibre chimique de notre cerveau. Alors, on sait que sur certaines maladies physiques, excusez,
certaines maladies mentales qui peuvent être héréditaires. Alors, c'est ce qu'on veut dire par là, lorsqu'on parle de biologie. Examinons ce qui peut avoir une influence sur notre santé mentale. La résilience, d'abord, l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, l'attitude positive, la pleine conscience, l'estime de soi et la santé mentale, la santé physique. Excusez, je viens d'avoir de quoi qui vient de s'ouvrir, là. Alors, la santé physique. C'est pas facile, la technologie, ce matin, là. Je ne sais pas pourquoi, j'ai plein de choses qui se produisent dans mon écran, mais on va continuer, puis on va essayer d'offrir le meilleur de moi-même. Alors, qu'est-ce que la résilience? C'est la capacité de se remettre rapidement des difficultés, la ténacité que l'on a devant les événements que la vie nous envoie. OK? C'est comment bien faire face aux problèmes, au stress, puis aux autres situations difficiles. Les problèmes et les stress font partie de la vie normale. Donc, tout le monde, on vit des stress, puis on vit des situations difficiles au cours de notre vie. La résilience, c'est ce qui peut vous aider à regarder la situation de façon réaliste et à agir lorsque vous pouvez apporter des changements, à agir lorsque vous pouvez lâcher prise sur les choses que vous ne pouvez pas changer et à reconnaître des soutiens utiles dans votre vie. Alors, c'est ça qu'est la résilience, OK? On avait mentionné dans d'autres conférences qu'on pouvait développer des coffres à outils pour nous aider à développer notre résilience. Alors, dans notre coffre d'outils, on peut mettre des choses qui peuvent nous aider à régler des problèmes. Par exemple, comment je peux faire face à un problème financier inattendu? OK? Peut-être que dans mon coffre d'outils, j'ai peut-être, je ne sais pas, quelqu'un sur qui je peux compter, ou j'ai peut-être une façon que j'ai un programme que je peux aller gérer ça d'une meilleure façon. J'ai peut-être une ligne où ce que je peux consulter quelqu'un qui va m'aider au niveau des finances. Alors, il y a plein de choses que je peux aller voir dans mon coffre d'outils pour aller consulter au besoin, pouvoir. Oh, merci, les gens me disent que mon son est très bon. Oh, ça m'enlève un peu de stress. Merci. Merci à Cécile qui est ma modératrice ce matin aussi. Ben, elle me dit que mon son est vraiment bon. Bon, j'espère que j'ai réglé ça. Ça me mettait un petit peu de pression parce que j'avais donné plusieurs présentations puis le son était moins bon. Alors, il faut réserver du temps pour aller consulter justement ce petit coffre à outils-là, pour aller voir comment j'ai déjà réglé certaines situations, aller faire un petit peu l'inventaire de ma résilience. C'est quoi mes outils que j'ai pour essayer de régler mes situations qui sont plus ou moins difficiles pour moi? Alors, la résilience, il faut qu'elle se travaille à. Bon, là, c'est mon projecteur qui ne va plus. On va y aller comme ça. Alors, je vous dis, ça fonctionne, mais là, c'est mon son qui est bon, là, c'est mon petit cliqueur qui ne fonctionne pas. On va essayer de s'adapter. Alors, c'est important qu'on garde aussi à notre santé mentale comment est-ce qu'on a de conciliation entre notre travail et notre vie personnelle. Qu'est-ce qui est l'équilibre entre les deux? Où est-ce que je trouve une place où est-ce que je peux aller me ressourcer pour avoir cet équilibre-là, justement, entre les deux? Qu'en est-il de l'équilibre en général? Alors, l'équilibre en général, on va essayer de voir, avant d'aller là, j'aimerais juste de retourner peut-être, si je peux, pour aller vous donner quelques signes pour nous démontrer quand est-ce qu'on a perdu un peu de cet équilibre-là entre notre vie et notre vie personnelle et notre travail. Alors, si on a l'impression qu'on a perdu le contrôle de notre vie, ben ça peut venir, c'est un petit peu un gauge ou un petit peu un indice qui vient nous dire, oups, peut-être que j'ai perdu un peu de cet équilibre-là. Quand que je sens que je suis plus capable de contrôler ce qui se passe dans ma vie personnelle, puis au niveau de mon travail, ça veut peut-être dire que j'ai perdu ce tampon-là, cet espace-là que j'avais qui venait un petit peu me rééquilibrer. Okay? Lorsque vous sentez que vous avez que coupable de négliger un peu votre travail
c'est peut-être un petit signe qu'on a peut-être moins de conciliation entre notre vie et notre travail, notre vie personnelle et notre travail. On a souvent de la difficulté à se concentrer sur nos tâches personnelles. C'est un autre signe. Ou qu'on est toujours fatigué. Ça, c'est un autre signe pour dire que vraiment, peut-être que notre équilibre n'est pas aussi bon qu'on pense. Alors, c'est important d'essayer de vérifier ces petits indices-là pour voir si vraiment j'ai encore cet équilibre-là entre les deux. Alors, si pour rester en équilibre, il faut peut-être garder au niveau de ton travail pour nous accorder des pauses de temps à autre. Surtout le travail à partir de la maison, je peux vous dire par expérience, là, que ça fait, je pense, notre 8e ou notre 9e semaine qu'on le fait. Puis ça demande toute une autre coordination, ça demande une adaptation, ça demande de développer des nouvelles compétences, ça demande aussi de développer des nouveaux outils. Puis je peux vous dire que des fois, c'est pas toujours évident. Comme moi, d'équilibrer, d'avoir un équilibre au niveau de mon travail à la maison, c'est plus compliqué parce qu'il faut que j'adapte vraiment ma maison dans le sens qu'il faut que je ferme tout ce qui est autre appareil pour faire sûr que mon Wi-Fi pogne bien. Je décroche mes téléphones de maison, je barre ma porte de maison. Alors, il y a plein de choses qu'il faut que je pense avant chaque webinaire. Alors, c'est toute une nouvelle adaptation puis c'est pas toujours évident de trouver le temps de faire toutes ces choses-là, puis d'avoir une vie personnelle, parce qu'il faut dire qu'on vit de notre maison, on mange de notre maison, on dort de notre maison et on travaille de notre maison. Alors, je lève mon chapeau à tout le monde qui travaille à partir de la maison. Il faut développer vraiment des outils, puis encore plus se prendre soin pour conserver notre équilibre. C'est vraiment tellement important, puis je me rends compte que pour nous-mêmes qui travaillons dans le domaine de la santé mentale, il faut mettre des fois un petit peu plus d'efforts pour essayer justement de concilier notre vie personnelle et notre vie de travail parce que là, on est toujours dans le même environnement et ça devient un petit peu plus exigeant, mais on va s'en sortir. Moi, j'essaie de ne pas vérifier mes autres appareils pour savoir si j'ai des courriels ou... J'essaie de me concentrer sur ce que je fais, puis une chose à la fois. Là, j'entends quelque chose qui sonne, je me dis, Lucie, là, c'est ton webinaire qui est important. Alors, ça demande tout un équilibre, là, vraiment. Puis, il faut pas penser aussi qu'on peut être 24 heures sur 24 disponible au travail, 7 jours par semaine. On a une nouvelle réalité aujourd'hui qui est justement de travailler à partir de la maison. Puis, je ne peux pas être 24 heures sur 24 libre. À la maison, c'est sûr que c'est difficile. Moi, il faut que je me crée des zones tampons. Mettons que parce que je suis à la maison, là, il faut que je fasse sûr comme je ferme tout ce qui est extérieur pour vraiment rester à l'intérieur tranquille, de ne pas avoir de distractions. Mais aussi de me lever peut-être à tous les heures, d'aller prendre une petite bouffée d'air dehors. D'aller me lever aussi, de faire des petits exercices, là, parce qu'on n'est pas aussi ergonomiquement installé comme au bureau. Alors, il y a toutes des choses qu'il faut prendre en considération de ce temps-ci. Faire de l'exercice, marcher, aller dehors, prendre des bonnes respirations, c'est vraiment important. Alors, c'est important de tout retrouver cet équilibre-là quelque part dans notre maison, puis aussi au niveau de notre travail. Puis c'est doublement plus difficile parce qu'on est, notre travail est à la maison. Alors, il faut vraiment créer un zone tampon, même si on demeure dans le même environnement. C'est important qu'on aille faire des petites pauses de temps à autre. Avoir une attitude positive, là aussi, ça demande peut-être un petit peu plus d'efforts dû à la pandémie d'avoir une attitude positive. On regarde au niveau des médias, c'est pas toujours positif ce qu'on voit puis ce qu'on entend. Alors, c'est important qu'on travaille un petit peu plus, qu'on mette un peu plus de force sur notre attitude positive. Puis c'est difficile d'avoir une vie positive si on a une attitude négative. On dit notre verre est à moitié plein ou moitié vide, mais moi je me dis, pour avoir une attitude positive, je me dis au moins j'ai un verre. Alors, c'est peut-être une façon de savoir que j'ai une attitude positive, c'est de me rendre compte qu'au moins j'ai un verre. Peu importe si à moitié plein ou à moitié vide, l'important, c'est d'avoir un verre. La pleine conscience, qu'est-ce que la pleine conscience, puis comment on peut la pratiquer?
Puis avoir une attitude positive, c'est pas faire l'autruche, hein. C'est vraiment de regarder la situation, puis comment je peux travailler ma résilience pour pouvoir mieux faire face aux problèmes. Mais c'est vraiment pas de faire l'autruche, puis de dire il se passe rien, puis il se passe des choses, d'en prendre conscience, puis de trouver des outils pour pouvoir y faire mieux face. La pleine conscience, comment est-ce qu'on peut la pratiquer? Ben, on va regarder ça ensemble. Là, j'ai des feuilles qui ne me disent pas mes choses, alors je vais aller tout de suite. Alors, la procédure de la pensée claire, c'est peut-être d'écrire ce qui se passe dans votre tête. Peut-être ce qui vous fait du bien. La pleine conscience, c'est d'avoir aussi, d'être conscient des cinq sens que l'on a. Qu'est-ce qu'on peut voir, entendre, écouter, toucher et goûter. On a parlé un petit peu à vendredi de ça. Ce qui est important aussi, c'est de travailler notre estime de soi pour concerner notre santé mentale. On sait que c'est très, très, très important. La valeur qu'on se donne. Quelle est notre valeur personnelle qu'on se donne à chacun? Qu'est-ce qu'on pense de nous-mêmes? C'est très important. Alors, l'estime de soi, c'est important pour garder notre santé mentale bonne. Vous savez qu'on peut avoir une bonne santé mentale, mais aussi on peut avoir des périodes qui sont un peu plus difficiles, donc qui viennent un peu fragiliser notre santé mentale. Alors, c'est important. Ah, oh, OK. Il y a des gens qui nous demandent les vidéos qui ont été faites la semaine passée. OK, je vois qu'on a des petits commentaires. Alors, c'est le fun que je peux voir ces commentaires-là. Et là, OK, là, mon chose a sauté. Là, je m'excuse. Là, ce matin, je me sens que je suis pas en bonne. Mon machine ne fonctionne pas bien. Je suis désolée. Il y a tout le temps quelque chose qui m'empêche de bien travailler. Alors, la valeur qu'on se donne est importante parce qu'on parlait de la pensée tantôt puis de l'attitude positive. C'est sûr, si je pense des choses qui sont négatives de moi, je vais être aussi négative envers les autres et envers la vie en général. Alors, si mon attitude de moi est négative avec ce qui se passe présentement, dans le temps de pandémie, c'est sûr que je vais avoir beaucoup de difficultés à dealer avec des pensées positives, surtout si j'ai des pensées de moi-même qui sont très négatives. Alors, ma perception des autres, la perception de la vie va être beaucoup plus négative. La valeur que je me donne est importante. Comment je peux me prendre soin? Alors, si je me sens d'aucune valeur, comment je peux m'estimer puis m'aimer? Alors, je dis toujours aux gens, qu'est-ce qu'on donne à quelqu'un, à quelque chose qu'on n'aime pas? Ben, c'est sûr qu'on n'en prend pas soin. Hein? C'est sûr que plus l'amour que je vais me donner à moi-même, plus je vais être capable de me prendre soin. Plus je vais me prendre soin, plus ça va avoir un impact sur ma santé mentale et physique. La façon dont je vais me traiter va m'aider à conserver mon estime de soi et ma santé mentale. Alors, la valeur que je me donne est tellement important. Il faut vraiment que je me donne la valeur, que je prenne soin de moi. Si je ne prends pas soin de moi, il n'y a personne qui va le faire à ma place. Je n'ai pas encore vu quelqu'un venir chez moi dire, Lucie, je vais faire ton ménage, ça va te faire du bien. Alors, il faut que j'apprenne à créer un équilibre entre ma vie personnelle, ma vie au travail, puis de me prendre soin. Faire des choses aussi qui me font du bien. Apprendre à m'aimer pour ce que je suis et non pour ce que je voudrais être. C'est tellement important notre estime de soi. La valeur que je me donne, la valeur, comment que je m'aime, puis je m'apprécie, puis je suis capable de m'encourager, de m'apprécier, de m'accepter tel que je suis, va aider à créer ma valeur personnelle. La santé physique, qu'est-ce que la santé physique? Tout est relié, hein? Santé physique, santé mentale, c'est beaucoup interrelié. Qu'est-ce que je fais pour prendre soin de ma santé physique? Alors, est-ce que je mange bien? Est-ce que je dors bien? Hein, c'est très, très, très important que je développe ces choses, que je prends du temps pour faire toutes ces choses-là. La santé mentale et le stress. Alors, c'est important pour notre santé physique de bien dormir, de bien manger, de faire de l'exercice, d'aller dehors,
d'aller respirer, excusez, ça fait énormément de bien. Socialiser aussi, mais le stress et la santé mentale, c'est interrelié aussi. Tout est un tout. Santé mentale, santé physique. C'est sûr que si je ne suis pas capable de gérer mon stress, ça va avoir un impact direct sur ma santé mentale et ma santé physique. Si je ne dors pas bien, ça va interagir au niveau de comment je peux gérer mon stress. Si je ne gère pas bien mon stress, ça va avoir un impact sur ma santé mentale et ma santé physique. Alors, il faut vraiment qu'on apprenne à gérer tout cet ensemble-là. On sait que le stress fait partie de la vie de tous les jours, mais lorsque le stress devient un problème, où est-ce qu'on sent qu'on n'est plus en contrôle, qu'on ne se sent pas bien, qu'on vit de l'anxiété, c'est là qu'il faut arrêter, prendre une pause, puis d'évaluer mon stress, puis comment je peux apprendre à le gérer d'une manière efficace. Un peu de stress, c'est bon, mais un trop de stress, c'est très mauvais pour notre santé mentale et physique. Qu'est-ce qui peut être à l'origine du stress? Ben, on sait que les finances, c'est un problème vraiment important, ou bien c'est un gros problème, je peux dire, au niveau de notre gestion de stress. Puis on sait que peut-être durant cette pandémie-ci, il y a des gens qui vivent plus de stress au niveau financier qu'ordinairement. Parce que veut, veut pas, ça amène des problèmes. Soit qu'il y a des gens qui ne peuvent pas travailler, soit qui ont été obligés d'aller sur l'assurance chômage. Alors, prenez le temps de vérifier vos choses, mais surtout faites des choses pour gérer votre stress d'une manière efficace. Ça peut aussi, le stress peut avoir peut provenir aussi des relations que l'on a. Si on vit de la violence conjugale, familiale dans notre relation, si on a pas trop des bonnes relations au niveau de notre travail avec du personnel, avec des employés, ça peut avoir un impact aussi. Des changements, ben, on peut dire que la pandémie a amené pas mal de changements. Si on a beaucoup plus de demandes aussi au niveau de notre travail, comme présentement, le travail à la maison, c'est sûr que ça exige plus de demandes. Si on a peu de contrôle, si on a peu de ressources au niveau de notre vie personnelle ou au niveau de notre travail, si on a des parents, par exemple, qu'on s'occupe de nos parents qui sont vieillissants, puis en plus d'avoir des enfants, si on fait partie de la génération sandwich qu'on appelle, hein, je dois m'occuper de mes parents, mais je dois également m'occuper de mes enfants. Ça peut causer un stress dans notre vie personnelle. Si je manque de soutien dans ma vie personnelle, mettons que je dois répondre aux besoins des enfants, que je dois m'occuper du ménage, d'entretien de ma maison, que je dois travailler, puis que j'ai aucun soutien au niveau de la personne avec qui je vis, au niveau de mon conjoint, au niveau des gens qui m'entourent, ben c'est sûr que ça va avoir un impact sur ma vie personnelle. Au niveau social, hein, si je sens que je suis pas acceptée socialement, si je vis de la discrimination, si je vis de la stigmatisation, si il y a plein de choses qui peuvent faire que je me sens exclue socialement. Si je vis dans la pauvreté, si je n'ai pas une bonne estime de moi, si je ne suis pas capable d'aller vers les autres, si je ne suis pas capable d'aller chercher de l'aide au niveau social, ben, si je ne suis pas capable, ça va avoir un impact sur ma vie personnelle. Si je peux aussi avoir du stress au niveau de ma personnelle pour ma culture, pour mes croyances, pour mes valeurs, ça peut avoir un impact sur comment que je peux vivre mon stress au niveau personnel. Alors, tout ça, faut que ce soit pris en considération. Comment gérer le stress? Comment on peut faire pour réduire votre niveau de stress? Identifier le problème. Si mon problème, moi, mon problème au travail, c'était mon son. OK? Peut-être que ce matin, j'étais à 7 heures, puis j'ai essayé de voir sur un autre ordinateur. Si mon son allait être meilleur, finalement, ça n'a pas fonctionné. Ça fait, je m'ai procuré un casque avec un micro pour voir si ça fonctionnait bien. Il semble que ça fonctionne bien. Alors, j'ai pu identifier mon problème. Ça m'enlève un peu de stress sur la façon de faire mon travail à la maison. Peut-être que pour vous, c'est comment, je ne sais pas moi, gérer votre vie personnelle puis votre vie au travail. C'est comment décrocher entre les deux. C'est comment de vous créer une zone tampon. Parce que peut-être que vous amenez vos problèmes de travail à la maison.
Il y a beaucoup de monde qui continue à travailler à partir de la maison, qui regarde leur courriel parce qu'on peut avoir accès sur notre téléphone maintenant. Peut-être qu'il y a des gens qui continuent à répondre à des emails à partir de la maison. Peut-être que c'est votre zone tampon qu'il faut travailler afin de réduire votre stress, votre niveau de stress. Comment je peux laisser au travail ce qui se passe au travail, puis d'arriver à la maison, puis faire face à ce qui se passe à la maison? Ben si j'ai pas cette zone tampon-là, puis je mêle un peu les deux, c'est sûr que je peux ressentir que j'ai une surcharge. Alors, je me sens dépassée parce que vraiment, je ne fais plus la distinction entre ce qui est ma vie personnelle puis ma vie au travail. Résoudre les problèmes au fur et à mesure qu'ils se présentent. Parfois, on a beaucoup de choses au niveau de notre travail, puis on dit par où je dois commencer. Mais moi, je me dis toujours, je vais commencer par m'asseoir, puis après ça, quand je vois j'ai beaucoup de choses qui se présentent, je me fais une petite liste, puis je priorise ce qui est important de faire en premier. Alors, j'essaie de résoudre les problèmes. Si c'est un problème au niveau de la maison, ben parfois, je vais me lever plus tôt le matin, puis je vais régler ça comme mon micro ce matin. C'est ce que j'ai fait. Parce que j'aime être à l'heure, j'aime être fonctionnel. Alors, si je sens qu'il y a un problème qui se présente, je vais m'organiser un petit peu plus de bonheur pour pouvoir répondre justement à ce problème-là. Je vais parler aussi de mes problèmes. Ce matin, j'ai demandé à mon neveu au côté, trouve-moi un micro-casque que je peux. Alors, j'essaie de voir avec les autres personnes comment je peux régler ce problème-là pour juste en identifier un. Mais c'est un problème. Probablement mon problème le plus majeur, parce qu'il faut continuer de travailler. J'ai la chance de travailler à partir de chez moi. Donc, pour moi, c'était une priorité d'offrir un meilleur son dans mes webinaires. Alors, j'ai pas mal fait le tour de mon problème là, pour essayer d'identifier une solution. Simplifiez votre vie. Parfois, on se complique la vie parce qu'on veut être parfait. Partout, partout. Mais on ne peut pas être parfait partout. Des fois, il faut délaisser certaines tâches de notre vie, certaines tâches de au niveau personnel. C'est sûr que peut-être que je vais négliger un petit peu l'intérieur de la maison si je travaille là. Parce que là, je suis obligée de m'improviser un bureau dans ma propre maison. Peut-être que des choses que je peux moins faire, mais c'est de lâcher prise sur des choses que je n'ai peut-être pas de contrôle pour le moment, du fait que je travaille à partir de chez moi. Simplifiez votre vie. Créez-vous des petits espaces à l'intérieur de votre maison. Allez dehors. Simplifiez vos tâches, peut-être en allant chercher de l'aide. Demandez plus de personnes pour vous aider. Apprenez des stratégies de réflexion utiles. Des réflexions, ça veut dire que je vais chercher dans mon répertoire d'expérience qu'est-ce qui m'a le plus aidé dans mon passé pour régler certaines situations. Allez voir dans ma résilience, puiser dans ma résilience, allez chercher ma résilience pour pouvoir mieux faire face aux problèmes qui se présentent. Apprenez des stratégies positives. T'sais, dans notre petit coffre d'outils, là, c'est ça qu'il faut mettre dans notre coffre d'outils, des stratégies utiles, des stratégies positives pour justement, quand il arrive des pépins, des choses qui nous rendent un petit peu plus hors contrôle dans le fait d'accomplir nos choses, ben on peut aller puiser dans ce petit coffre-là pour voir, ouf, tiens, ça marchait pour moi, cette petite expérience. Ça, j'ai réussi avec ça. Bon, ben, je vais l'essayer. Peut-être que je paye ceci aussi. Alors, allons voir, ayons ces petites réflexions-là pour justement aller puiser dans notre coffre. Puis aller chercher des pensées positives, des outils qui nous ont aidés, des réflexions utiles qui nous ont donné des bons résultats. Apprenons à gérer notre stress. Le stress, c'est important parce qu'on dit que au moins 90% des maladies physiques puis même physiques sont reliées directement au stress. Puis on peut même dire aussi que la santé mentale peut être affectée énormément par notre niveau de stress. Si on vit un stress chronique, donc un stress qui ne permet pas au corps de récupérer,
Ben, on affaiblit notre système immunitaire par la même occasion. Puis là, on n'est plus sujet à avoir tous les virus, les microbes. Notre système immunitaire est vraiment plus faible, donc on peut attraper le rhume, la grippe. Hein, on peut attraper plein de choses qui présentement qui passent. Ça fait que parce que notre système immunitaire est affaibli et plus vulnérable aux infections qu'on peut attraper, que soit qui se passe parce que on a des virus de ce temps-ci aussi, il faut dire, où on est plus sujet aussi à des allergies, parce que justement notre système immunitaire est plus faible. Donc, c'est important d'apprendre à gérer le stress que l'on vit au quotidien. On ne peut pas le laisser s'accumuler. Le stress se loge beaucoup au niveau du cou et des épaules. Et moi, mon premier signe, c'est souvent mes épaules. Alors, souvent, je vais peut-être faire des petites rotations avec mes épaules, avec mon cou, pour être sûr qu'on déloge un peu ce niveau de stress-là. Aller dehors, marcher, faire de l'activité physique. On a plein de trucs. Allez googler gestion de stress. Vous allez avoir plein d'outils pour apprendre à gérer votre stress efficacement. Commencez par l'intérieur, hein? De regarder, c'est quoi les pensées qui nous font du bien? C'est quoi les pensées qui nous font des fois pas nous sentir bien? Essayez de faire le ménage dans tout ça, de régler des choses qu'on peut régler. Lâchez prise sur des choses qu'on ne peut pas régler, qu'on n'a pas de contrôle dessus. Alors, commençons par régler par l'intérieur. Comment trouver justement notre paix intérieure? Et régler des choses, si on peut les régler, réglons-les une fois pour toutes. Hein? Si aller chercher de l'aide s'il faut, mais apprenez à commencer à régler les choses qu'on vit à l'intérieur. Soyez actifs. Faites des choses que vous aimez. C'est tellement important. Trouvez-vous des bons passe-temps. Faites des choses qui vous font du bien également. Le bien-être dans son ensemble est important. On a dit le sommeil. Il y a beaucoup de personnes, peut-être, que le stress va leur empêcher de bien dormir. Alors, il faut se créer une routine avec le sommeil, hein? Alors, il faut peut-être avoir de se coucher assez tôt pour avoir un bon sommeil, peut-être se lever un petit peu plus de bonne heure. Alors, se créer une bonne routine pour aller au lit, éviter les écrans avant d'aller au lit, éviter le café, l'alcool, la cigarette, ce sont des choses qui vont augmenter notre stress, donc qui peuvent nuire à notre qualité de sommeil. Bien manger, hein, avoir des bonnes alimentations, trois repas réguliers à des heures régulières, le plus possible. Manger des bons aliments. On sait qu'il y a certains aliments qui vont augmenter notre stress, comme par exemple le gras, le sel, le sucre. Tout ça a un effet sur notre stress. On sait qu'il y a des aliments qui sont utiles au système nerveux. Hein, la banane, les épinards, le raisin sec, les amandes, tout ça, on dit que ça a un bienfait parce que ça contient beaucoup de vitamines, la B6 puis la B12. Ça, vous pouvez aller voir, consulter une nutritionniste qui peut vous donner de l'information sur le sujet. Mais on a des aliments qui sont très utiles au système nerveux. Alors, c'est important de bien manger. Détendez-vous. La détente, la relaxation, c'est quelque chose qui s'apprend lorsqu'on est éveillé. Okay? Donc, les techniques de relaxation, ça s'apprend. On a toutes sortes de modèles ou d'informations sur la relaxation, sur les webinaires, sur Google. On a plein. Alors, l'important, c'est de prendre des bonnes inspirations. Là, je peux inspirer, retenir et expirer très, très, très lentement. Alors, c'est des choses qu'on peut faire. Alors, c'est important qu'on le fasse même avant de s'endormir le soir, mais il faut apprendre à se détendre. Alors, ça peut amener un meilleur sommeil, mais même pendant la journée, il faut apprendre à se détendre, apprendre à ralentir. La respiration, c'est important. Puis souvent, on respire juste en surface. On respire juste comme ici. Alors, c'est important de respirer en profondeur. Faire de l'exercice. On dit une petite marche de 15 minutes par jour, ce serait déjà très bon, hein? Puis on va en augmentant chaque jour. Alors, de faire un peu d'exercice, on peut le faire à la maison aussi, faire de la marche sur place.
On peut le faire n'importe où, avoir des petites élastiques qu'on peut faire un peu d'exercice. On peut le faire même assis. L'important aussi de gérer notre stress, c'est de faire des. T'sais, voyons, je vais te le dire, c'est peut-être de faire des étirements. Hein? On peut s'étirer, faire des petites rotations avec nos épaules. Alors, l'exercice est vraiment primordial pour apprendre à se sentir bien, à diminuer notre stress, puis d'avoir une meilleure santé mentale. Activité agréable et significative, quelque chose qui nous fait du bien. Il y a des gens qui vont faire des mandalas. Des mandalas, ça permet de se concentrer, de juste penser à ça. Avoir des activités agréables, ça peut être de faire un petit peu de social, ça peut être de faire des casse-têtes, ça peut être des jeux, ça peut être des jeux en ligne, ça peut être d'aller faire de la marche. Éteindre vos téléphones cellulaires de temps à autre. Je me rends compte que les fins de semaine, je suis de moins en moins sur le cellulaire. Je suis beaucoup plus dehors parce qu'on a eu une belle fin de semaine avec plein de soleil, un peu plus chaud. Puis je me rends compte que je n'ai même pas touché le cellulaire. Je n'ai même pas vérifié les réseaux sociaux. Alors, puis ça fait tellement de bien de se déconnecter. Alors, n'ayez pas peur de mettre ça de côté de temps à autre. Parce que je me rends compte que quand on est souvent sur les médias sociaux, pour moi, là, quand il pleut, puis on passe notre journée devant un cellulaire ou devant une tablette, je me rends compte que ça affecte vraiment notre santé mentale. Je me sens que ma journée n'a pas été productive, je suis pas satisfaite de moi, j'ai pas un bon sentiment à l'intérieur de moi. Je sens que j'ai pas fait rien de productif. Ça fait que mais quand je passe ma journée dehors, en plein air, je suis beaucoup plus énergisée, motivée, ressourcée. Alors, n'hésitez pas d'aller dehors, puis d'éteindre un peu plus nos téléphones, puis nos tablettes cellulaires, nos tablettes. Comment gérer notre bien-être mental? On vient de le dire, gérer notre stress, c'est important. Faire de l'exercice, une alimentation saine, améliorer notre estime de soi, s'adapter au changement. On a eu des changements, puis on va en avoir encore probablement. Apprenons à lâcher prise sur des choses qu'on ne peut pas changer. Par exemple, moi, si j'ai une directive au niveau de mon bureau à Fredericton, peut-être que j'aurais peut-être pas de contrôle là-dessus. Il va falloir que je m'adapte à ça. Peut-être si mon employeur me dit, Lucie, il faut que tu travailles sur ce projet-là. Ben, il va falloir que c'est quelque chose qui vient d'en haut. Il faut que j'apprenne à lâcher prise, puis je m'apprenne à m'adapter au changement. Et ça, s'il y a des gens qui ont une résistance face au changement, plus j'ai de résistance au changement, plus ça va augmenter mon stress. Plus j'augmente mon stress, ben, plus j'ai de fortes chances de vulnérabiliser un peu ma santé mentale. Alors, le stress vient fragiliser ma santé mentale. Alors, lâchez prise sur des choses qu'on ne peut pas changer. Adaptez-vous au changement. Puis travaillez, si c'est des choses que le changement, il vous demande un peu plus de travail, prenez le temps de le faire justement pour vous adapter. Parce qu'on ne s'adapte pas au changement du jour au lendemain. Ça prend un certain laps de temps. Ben, donnez-vous le temps. On n'a pas, le, un métier, ça ne nous tombe pas du ciel, puis on ne l'apprend pas du jour au lendemain. Il faut se donner du temps, être tolérant avec nous-mêmes, être bon. Hein? Vous donnez ce que vous êtes prêt à donner à votre meilleur ami. Donnez-vous le temps de vous adapter au changement. Soyez gentil avec vous autres, soyez patient. Donnez-vous les outils pour pouvoir vous adapter au changement. Puis le temps, c'est l'outil numéro un. Gérez vos émotions. Hein? Des fois, on a de la peine, des fois, on est en colère, des fois, puis les gens nous demandent comment ça va. Bon, on dit toujours que ça va bien. Mais des fois, ça fait tellement du bien de dire ça va pas si bien ce matin. Hein? Des fois, on a de la peine, puis on n'ose pas en parler. Mais c'est important de ne pas garder tout ça à l'intérieur de nous-mêmes. Moi, je dis toujours aux gens, la colère, c'est une bonne émotion. L'important, c'est d'apprendre à la gérer efficacement. Parce que la colère, c'est de la rouille pour le cœur. Hein? Les gens qui sont colériques, hein, des fois, c'est des gens qui peuvent avoir des problèmes cardiaques. Alors, la colère, c'est une bonne émotion.
C'est la façon de la gérer qui, des fois, qui n'est pas efficace, qui est moins positive, qui est moins bonne. Alors, la colère est une bonne émotion. C'est le comportement qui suit qui, des fois, n'est pas aussi acceptable et aussi bon. Donc, la colère est une bonne émotion quand on la gère d'une bonne façon. Trouver la paix intérieure. Moi, je vous dirais, la paix intérieure, c'est lorsqu'on apprend à s'aimer et à s'accepter tel que l'on est, avec ses forces et ses faiblesses, avec son caractère, avec sa... C'est parce que tant et aussi longtemps que je n'ai pas appris à m'accepter tel comme je suis toujours en questionnement. Pourquoi je suis comme ci, puis pourquoi je suis comme ça, puis pourquoi je ne suis pas comme les autres, pourquoi je ne fais pas ça comme ça, pourquoi je ne suis pas belle, puis fine, puis grande, puis petite, puis mince, puis grosse, puis... Faut arrêter de se questionner sur qui nous sommes. On est qui on est. On est comme ça. Hein? Si on a des choses qu'on peut changer, changeons-les. Mais s'il y a des choses qu'on ne peut pas changer, ben apprenons à vivre avec, mais apprenons à trouver une paix intérieure, puis apprendre à s'aimer pour qui nous sommes et non pour qui on voudrait être. On a tous rêvé peut-être d'être blonde, d'être grande, élancée, avoir les yeux bleus, avoir un corps parfait, avoir un caractère parfait, avoir toutes les connaissances du monde, être intelligent. T'sais, on a toutes peut-être un idéal dans notre tête de qui on aimerait être. Mais finalement, on peut rêver toute notre vie, mais on peut être malheureux toute notre vie parce qu'on ne sera peut-être jamais ça. Alors, apprenons dès aujourd'hui à s'aimer tel que l'on est. Puis, on va la trouver, la paix intérieure. Parce que quand on dit ça des fois aux gens, comment je trouve ça, la paix intérieure? Parce que ça commence par s'aimer soi-même, puis d'arrêter de se questionner sur qui on voudrait être, puis sur qui on pourrait être, puis d'accepter l'être que nous sommes. C'est là notre paix intérieure. Puis s'accepter, puis d'être bien avec qui je suis, et non toujours me poser la question, est-ce que je suis correct? Qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce que les gens pensent de moi? La paix intérieure, c'est que j'arrête de penser à ça. Je suis qui je suis, puis les gens vont m'accepter tel qu'ils sont. C'est ça, le bonheur. C'est ça, la paix intérieure. Alors, on pourrait en parler toute une journée sur la paix intérieure. C'est comment s'aimer puis s'accepter, d'être bien avec qui nous sommes. Puis c'est aussi simple que de dire, oh, ça me fait du bien, oh, ça, j'ai l'air grosse, oh, ça me fait pas bien, oh, mes cheveux font point d'allure. C'est aussi simple que ça. Chaque matin, comment nous, on se garde dans le miroir et on dit, oh, mon Dieu, j'ai l'air moche ce matin. Commençons par s'aimer. Puis s'aimer, c'est pas la vision de notre image de soi, c'est pas l'image que le miroir m'envoie, c'est l'image que je me fais dans ma tête de qui je suis. Donc, le miroir n'a pas de rapport là-dedans tout. C'est de me dire à moi-même, t'es belle, t'es fine, t'es capable, tu parais bien, c'est toi, t'es pas personne d'autre. Apprends à t'aimer et à t'accepter, puis vous allez voir, ça va être beaucoup plus facile. Alors, on passe au suivant. Dormir suffisamment, on l'a dit. 8 heures de sommeil par jour, de 7 heures à 8 heures par jour, c'est ça que ça demande le sommeil pour un adulte. Alors, si vous n'avez pas vu 7 à 8 heures par jour, ben, peut-être essayer de regarder à l'avant puis de vous mettre dans un état à vous prédisposer à avoir une qualité de sommeil. C'est une routine d'aller au lit, hein? Peut-être de commencer par souper un peu plus de bonheur. Moi, je le sais, si je mange à 7 heures, oubliez le sommeil, hein, c'est qu'il faut que mon estomac ait le temps de digérer. Moi, je suis une personne, il faut qu'il mange à 5 heures. Peut-être d'aller dehors après le souper. Peut-être prendre un bon bain pour relaxer. Peut-être de prendre une petite infusion à la camomille. De laisser les écrans de côté. D'apprendre à relaxer avant d'aller au lit. Faire des petites respirations. Aller marcher dehors. Commencez à vous préparer. Il y a une routine des fois à aller au lit. Peut-être commencer à 8h30, 9h pour commencer à mettre peut-être, à vous prédisposer, à mettre peut-être votre pyjama, votre robe de chambre, puis de vous dire, je vais aller au lit vers 10h. OK? De mettre une routine. Il y a des gens qui travaillent des fois le soir.
C'est peut-être pas une bonne idée. Il y a déjà peut-être aussi qui vont regarder, qui vont aller au lit avec une tablette ou un cellulaire, puis de continuer à chatter jusqu'à temps qu'on pense qu'on va dormir. Mais c'est de mettre ça une heure au moins avant d'aller au lit. Construire des relations positives avec les autres. Il n'y a rien de pire que des relations difficiles, que ce soit au niveau personnel comme au niveau de notre travail. Il y a des gens qui sont sur des médicaments parce qu'ils ne peuvent plus fonctionner au niveau de leur travail parce qu'ils ont un conflit au travail. Moi, je vous dirais là, d'apprendre à régler le problème. Si vous trouvez la situation difficile, créez-vous un scénario chez vous, hein? Par exemple, si vous avez un problème avec Marie-Jeanne, bon, ben, arrivez chez vous puis devant le miroir, faites comme si vous parliez à Marie-Jeanne. Marie-Jeanne, bon, la dernière fois qu'on s'est parlé, ça n'a pas bien été notre conversation. Puis j'ai peut-être dit quelque chose qui t'a dérangé ou tu t'as dit que on s'est échangé des choses. Puis il y a des choses qui ont été dites qui m'ont fait de la peine. Marie-Jeanne, moi, j'aimerais vraiment qu'on arrive à régler ce problème-là. Dis-moi, comment est-ce qu'on peut faire pour le régler? J'aimerais qu'on s'assoie puis qu'on règle ça une fois pour toutes. Parce que moi, ça m'empêche de dormir. Ça nuit énormément à mon travail. Puis se pratiquer comme ça devant notre miroir, hein? Vous allez être beaucoup plus à l'aise que lorsque vous allez peut-être contacter Marie-Jeanne pour lui dire, Marie-Jeanne, j'aimerais qu'on règle ce problème-là. Peut-être vous aurez des outils de plus pour répondre à ça, pour le régler d'une façon positive. Parce que des fois, quand on est embêté dans une situation, ben, on dirait, ça ne sort pas comme qu'on voudrait que ça sorte. Puis des fois, ben, ça sort de travers. Puis des fois, ben, on peut blesser l'autre personne. Puis d'utiliser le je pour construire des relations positives. Au lieu d'arriver à Marie-Jeanne puis de dire, t'as fait ceci, t'as fait ça, t'as dit ceci, t'as dit ça, ben ça ne va pas aider. Mais si tu dis, Marie-Jeanne, je me suis sentie tellement triste quand on s'est parlé la dernière fois, ça m'a beaucoup dérangée. Puis parlez en fonction de vous-même, qu'est-ce que ça vous a fait, ça? Mais ça va peut-être être plus facile de gérer la situation puis de la régler. C'est pas facile des fois de s'entendre avec nous-mêmes, hein? Des fois, on est en colère après nous-mêmes. Donc, ça peut arriver qu'on a des conflits avec les autres. Mais essayer de les régler, c'est important parce que ça a un rapport direct sur notre santé mentale. Les conflits, là, ça génère énormément de stress. Puis ça vient affecter notre santé mentale. Puis on ne le dira jamais assez, les femmes qui vivent de la violence conjugale, ils ont beaucoup de misère avec leur estime d'eux-mêmes, à gérer le stress, puis ça affecte leur santé mentale, ça affecte l'estime de soi. Alors, faut apprendre à construire des relations positives, s'entourer de personnes positives aussi, c'est important. Des fois, on a des personnes autour de nous qui sont très, très négatives. Ben, c'est peut-être de leur faire prendre conscience des fois. Pas lui dire t'es négative. Mais, par exemple, moi, des fois, j'ai des gens qui me disent ah, oh, il fait frette, hein? Ben, c'est l'hiver. Moi, je leur dis c'est l'hiver. C'est normal. Tu sais, j'embarque pas là-dedans. Parce que si tu dis oui, c'est vrai, il fait frette, c'est plate, ben là, ça commence. Là, ça tourne tout au négatif. Moi, j'arrête ça. Je leur dis ben, que veux-tu? C'est février, c'est froid, c'est l'hiver. Mais je les rencontre l'été, puis ils me disent, il fait chaud, hein? Oh mon Dieu, qu'il fait chaud. Ben, je leur dis, c'est normal, c'est juillet, c'est correct. J'arrête ça. Dans ma tête, pour moi, je me dis, j'arrête ça. Je n'embarque pas pour leur dire, ah oh, oui, c'est vrai, il fait chaud, hein? Non. J'essaie de garder ça d'une manière positive. Alors, on essaie de garder notre attitude positive, elle va être positive envers les autres, puis elle va être aussi positive envers la vie en général. Construire des relations positives, ben, faut être positive envers nous autres, envers les autres, puis envers la vie en général. Développer un réseau de soutien solide. Trouvez-vous des alliés dans la vie. C'est tellement important de reconnaître autour de nous les gens sur qui on peut compter. Qui sont les gens? Moi, des fois, je demande aux jeunes, identifiez-moi cinq personnes sur une main seulement, sur qui vous pouvez compter 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Peut-être que nous, adultes, c'est qui les gens autour de nous qui peuvent nous aider au niveau familial?
Puis au travail, c'est qui les collègues qui sont là pour nous aider, pour nous supporter? Parce qu'on a des collègues comme ça, hein? Sur qui on peut des fois, on a peut-être des petites choses qui nous dérangent au travail. C'est qui les personnes qu'on peut appeler au travail? C'est qui les personnes en qui on a confiance? Moi, c'est ma chum Cécile au travail. Ben, peut-être c'est pour vous, c'est une autre personne. Peut-être c'est important d'avoir au moins une personne sur qui on peut compter, que ce soit au niveau social, au niveau de notre vie personnelle, puis au niveau de notre travail. Mais des gens sur qui on peut, avec qui on peut parler de tout et de rien. Donner et recevoir des compliments. Donner des compliments, c'est facile, hein? Combien de nous autres sont capables de dire à quelqu'un, t'es donc bien belle à matin, t'as bien des beaux cheveux, t'as bien un beau chandail, ou la couleur te va très bien, cette couleur-là est vraiment belle sur toi. On est bon pour donner des compliments. Mais c'est toute une autre histoire de les recevoir. Combien de nous autres dit merci lorsqu'on reçoit un compliment? Souvent, les gens vont justifier le compliment. Par exemple, lorsqu'on nous dit « t'as bien des beaux cheveux », combien de personnes vont répondre « je les ai lavés » ou « je m'ai peigné » plutôt que de dire tout simplement « merci ». C'est tellement plus simple de dire merci au lieu de justifier. Quelqu'un vous dit « vous avez d'un bien beau chandail ». Commencez pas à lui dire que vous l'avez acheté dans un magasin, que vous avez payé tel prix. C'est pas nécessaire. C'est tellement plus simple de dire juste merci. Moi, le réflexe est de dire merci. Sais-tu quoi? Tu fais ma journée aujourd'hui. C'est tellement agréable de recevoir des compliments de temps à autre. Hein? Alors, recevez-les, accueillez-les, acceptez-les. Et juste dire merci. Impliquez-vous dans votre communauté. Il y a tellement d'endroits où on peut amener notre aide. Tellement d'endroits qu'on peut s'offrir, offrir nos habiletés, nos compétences, hein, dans des organismes, dans des cercles, des comités, peu importe. On a beaucoup, beaucoup de places où ce qu'on peut aider. On a plein de talents, de compétences, d'habiletés qu'on peut donner à d'autres organismes pour afin d'amener un peu notre apport à notre communauté. Se détendre, on l'a mentionné, on ne le dira jamais assez, c'est important pour notre santé mentale, pour notre bien-être mental. Alors, si vous avez des questions, n'oubliez pas que ça va être dans le QAA et je m'excuse si j'ai fait encore des erreurs dans mon webinaire, que j'ai un petit peu m'enfargé un petit peu dans mes mots, mais j'avais un petit peu de problèmes techniques. Mais ça va finir par. J'ai pas de contrôle tout sur la technologie, mais je vais finir par m'adapter. Merci d'être là encore avec moi aujourd'hui. Vous avez mes coordonnées, Lucie Robuchaud, mon numéro de téléphone, mon adresse courriel. Si vous avez des choses que vous n'avez pas compris, vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez me contacter par mon numéro de téléphone. Je ne suis pas au bureau physiquement, mais je retourne mes appels aussitôt que je les reçois. Je retourne mes appels. Vous pouvez me contacter quand vous voulez. N'oubliez pas d'aller répondre au sondage. Vous allez aussi également avoir, je vais vous donner aussi également les références pour la conférence que j'ai donnée. N'oubliez pas d'aller aimer notre page Facebook. Et s'il n'y a pas d'autres questions, ah, j'ai une question. Merci Julie pour les bons commentaires. J'espère que ça répond à vos questions. C'est mon désir le plus profond de répondre à vos questions et d'aider les gens. Alors, je vais finir par avoir le tour avec ces webinaires-là. Je peux vous le garantir, je vais travailler très, très fort. Puis je vais venir à bout de tout ce système-là. Mais merci d'être avec moi. J'apprécie énormément vos commentaires puis votre présence avec moi sur le webinaire ce matin. Alors, je ne sais pas si j'ai d'autres questions. Ça va?